Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Ménil. Dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur ce matériau que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit du travertin. J'en ai posé à peu près partout dans ma maison. Donc, je vais vous donner toutes les explications pour un particulier qui souhaite rénover sa maison. Et je vous préviens, je risque d'être extrêmement clair et précis dans cette vidéo. Donc, apprêtez-vous à liker. Allez, merci, bon visionnage à toutes et à tous. Alors le travertin, qu'est-ce que c'est? C'est une roche sédimentaire continentale. Donc avec ça, vous êtes bien, bien avancé. Bon, c'est une roche calcaire, un peu comme le marbre en fait, hein, donc il va avoir à peu près les mêmes propriétés que le marbre. Alors le travertin, ça vient d'où? Ben, ça vient tout simplement du marchand de matériaux. Non, je plaisante, ça vient... Principalement, ça venait d'Italie, donc il y a eu des grandes constructions telles que le Colisée, par exemple, qui ont été construits avec cette roche en Italie. Mais maintenant, la principale production mondiale se situe en Turquie. Alors, quelles sont les différentes finitions du travertin? Donc là, je vais vous donner des exemples d'échantillons que moi, j'avais commandés chez mon marchand de matériaux. Donc la première finition qu'on va trouver, c'est les finitions, je dirais, brutes, non traitées. Qu'on dit parfois rustique, et vous allez avoir différents choix en fait de qualité, donc premier choix, deuxième choix, choix rustique, et comme vous allez le voir, je vous fais un gros plan, il y a beaucoup de cavités en fait sur ce matériau, hein, ces cavités qui sont formées naturellement dans le matériau, qui sont laissées telles quelles quand vous allez recevoir le matériau. Donc s'il n'y a pas de mention spéciale, vous allez recevoir effectivement un matériau avec plein de cavités, et en fait le choix, hein, premier choix, deuxième choix rustique, ça va dépendre en fait de la taille de ces cavités, de leur nombre, si elles sont réparties de manière homogène sur le matériau. Vous allez aussi avoir, alors j'ai pas d'exemple ici, mais vous allez avoir aussi le choix d'un matériau rebouché. Le producteur va juste remplir les cavités avec un joint. Alors, ce n'est pas une finition que je recommande. Je recommanderais plutôt de le faire vous-même avec votre joint, puisque la couleur après ne va pas forcément correspondre à vos attentes. Et enfin, il y a la finition que moi j'ai adoptée, puisque j'ai principalement posé en intérieur. Je vous donne un petit exemple ici. La finition adoucie, c'est tout simplement que le marchand a rebouché, comme on l'expliquait tout à l'heure, les cavités, mais a brossé de manière à lisser finalement la surface. Et les bords sont aussi rectifiés. Donc dans la finition un peu brute, vous voyez que les arêtes sont un petit peu arrondies, hein, sont laissées un petit peu brutes, donc ça va donner un petit aspect rustique. Dans cette finition adoucie, les bords sont rectifiés, donc ils sont complètement rectilignes. Donc ça va donner une finition un petit peu plus moderne, ça va se rapprocher plus du marbre. C'est très doux au toucher, c'est très lisse, vous voyez. Donc c'est moi la finition que j'ai adoptée. En termes de couleur, moi personnellement, j'ai choisi le ton crème, hein, qui est le teint le plus clair en fait, possible dans les gammes de travertin. Mais il faut savoir que vous allez trouver aussi des mix beige, ça va être un peu plus foncé. Vous allez avoir ce qu'on appelle noisettes, qui vont vraiment s'échelonner entre le brun et le crème. Il existe des travertins qui sont gris. Donc encore une fois, demandez des échantillons, comme ça vous aurez une idée très précise des coloris. Alors, il faut savoir que le travertin peut principalement s'utiliser en dallage, hein, donc pour les sols, à la fois en intérieur et en extérieur, on verra ça tout à l'heure, mais aussi sur les murs. Donc moi, je l'ai utilisé beaucoup en crédence, dans mes douches aussi, dans ma douche à l'italienne, je l'ai posé en crédence du sol au plafond, je l'ai posé dans mes toilettes, enfin bref, j'en ai partout, ça donne vraiment un très bel aspect. Bon, moi sur les murs, après c'est une question personnelle, hein, c'est une question de goût, moi je préfère effectivement cette finition adoucie. Il y en a aussi qui le posent en crédence avec cette finition ici un peu plus rustique. Donc voilà, soit en dallage sur les sols, soit également en crédence ou dans les sanitaires sur les murs. Dans quelle pièce poser le travertin? Ben, je dirais dans toutes les pièces, il n'y a pas de contre-indication. Moi, je l'ai posé principalement dans mes pièces principales, donc séjour, cuisine, salon, bureau. Je ne l'ai pas mis dans les chambres parce que mes chambres sont à l'étage, donc je choisis plutôt des poses de parquet qui est un peu plus chaud. Donc là, la finition est un petit peu froide, hein, c'est du carrelage.
Mais ça peut se poser globalement dans toutes les pièces, hein. Ça peut se poser en grand format. Dans les sanitaires, peut-être privilégier des formats un tout petit peu plus petits. Après, à vous de voir, hein, c'est une question de goût. Moi, j'ai pris des très grands formats partout. J'ai pris des formats Opus Romain, comme on va le voir. Donc toutes les pièces sont à privilégier pour la pose du travertin. Alors, est-ce que le travertin peut être utilisé en extérieur et en intérieur? Ben, je dirais, encore une fois, il peut être utilisé dans tous ces espaces-là. Moi, je l'ai utilisé principalement en intérieur, hein, dans cette finition assez moderne, hein, lisse. Mais dans sa finition plus rustique, elle a des qualités antidérapantes. Donc, ça peut très bien être posé en dallage de terrasse, en dallage de piscine, pour les margelles de piscine, sachant qu'elle est aussi agélive, hein, donc elle ne se fend pas normalement avec le gel. Bon, il faudra quand même prévoir un petit traitement, hein, en intérieur et extérieur, hydrofuge et oléofuge. Mais vous voyez, donc c'est, pour l'extérieur, ce qui est pratique, c'est antidérapant. Donc ces aspérités-là, qui vont quand même être rebouchées avec le joint, hein, vont laisser une surface qui va ne pas être glissante. Donc pour l'extérieur, ça peut être pratique. Alors, sous quel format on peut trouver le travertin? Alors là, encore une fois, vous avez un vaste choix. Moi, personnellement, j'ai pris pour mes crédences là, en pose murale des grands formats de 60x40. C'est ce format-là que vous voyez ici. C'est un petit peu lourd à manipuler, mais je dirais que ça fait des belles dalles. Et pour tout ce qui est pose en dallage, j'ai pris le format Opus 4. Donc, c'est une combinaison de 4 formats. Donc, vous en voyez un, là, le 20-40, il y a le 20-20 en carré, il y a le 40-40 en carré, et il y a ce format-là en 40-60. Et avec l'assemblage de ce délage-là, ça va faire ce qu'on appelle un opus. C'est un motif qui va se reproduire à l'infini, et c'est super, super joli en dallage. Il y a des formats beaucoup plus petits, des formats un peu plus grands que celui-là, en 40x60, donc il y a du 60-90, je crois. Donc encore une fois, vous allez trouver toutes les dimensions qui vont satisfaire vos envies. Mon petit coup de cœur, c'est vraiment l'opus. Hein. L'opus, ça donne vraiment un effet vraiment très intemporel que je recommande finalement si vous devez poser du travertin. Alors, quels sont les avantages et inconvénients du travertin? Donc comme vous pouvez le deviner, si j'en parle autant, c'est que je trouve beaucoup d'avantages à ce matériau. Donc le premier avantage pour moi, c'est l'intérêt esthétique. Hein. Forcément, tous les goûts sont dans la nature, peut-être que ça ne va pas vous plaire, mais moi, c'est vraiment ça qui m'a fait pencher pour ce matériau. Hein. Donc un matériau esthétique avec plusieurs finitions, plusieurs coloris. Donc vous pouvez choisir si vous voulez accommoder un intérieur plutôt moderne avec une finition... adouci, sinon vous avez des finitions beaucoup plus brutes. Vous avez tous les formats possibles et imaginables. Vous avez des usages qui sont intérieurs, extérieurs. Vous pouvez les mettre en dallage ou en mural. C'est un matériau également qui est très abordable, qu'on trouve à beaucoup d'endroits, notamment sur Internet. Hein. D'ailleurs, là où j'ai trouvé, je me suis procuré mes matériaux sur Internet. C'est un matériau également qu'on dit pleine masse. Hein. Donc, quand vous découpez votre dalle, vous allez vous retrouver avec, encore une fois, de la matière, hein, de la même matière qui est sur la surface. Donc, pour peu que vous ponciez un petit peu les arêtes, vous allez pouvoir les rendre apparentes. Contrairement à un carrelage classique, quand vous le découpez, vous n'allez pas pouvoir rendre l'arête apparente. C'est pas beau du tout. Donc, vous allez mettre des baguettes. Et un autre avantage, et non des moindres, c'est comme c'est un matériau plein de masse, vous allez pouvoir aussi sculpter les arêtes éventuellement. Donc à des moments, si vous voulez faire des arêtes arrondies, vous allez pouvoir, à la meuleuse, avec les disques appropriés, pouvoir sculpter, faire des arrondis et qui sont très très esthétiques également. Et également, c'est un matériau qui, contrairement au grès cérame, hein, qui va prendre la patine du temps, hein, qui va bien vieillir, qui va... pour peu que vous l'entreteniez bien, qui va se patiner, qui va devenir très velouté avec le temps, un matériau qui va vivre, qui va évoluer et qui va donner tout ce cachet à votre intérieur ou votre extérieur. Et puis, je serais tenté de dire, c'est un matériau qui est quand même plébiscité par la communauté, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est pas, mais à raison, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment un matériau magnifique, hein, qui sert beaucoup. Donc vous allez trouver beaucoup de ressources en tant que particulier sur ce matériau-là qui vont vous guider aussi dans votre rénovation. Et enfin, last but not least, c'est un matériau qui est très peu coûteux, un matériau naturel qui est très très abordable. Je vous donne la référence, moi je l'avais acheté il y a quelques années à 35 € du mètre carré dans cette finition en Opus 4 et en 60-40. 35 € du mètre carré, juste pour vous donner un élément de comparaison, du parquet en chêne, c'est 100 € du mètre carré au minimum en chêne brut. Hein. Et si je vous donne une comparaison, parce que je m'étais aussi fourni en dallage
en pierre de terroir, hein, dans une carrière qui est proche de chez moi, j'avais payé mon dallage 100 euros du mètre carré. Hein, donc, ce n'est pas les mêmes coûts. Hein, et c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que vous avez quelque chose de magnifique, naturel, intemporel, au même prix qu'un carrelage standard. Alors, après tous ces avantages, vous vous dites, mais attendez, c'est un matériau qui n'a pas du tout d'inconvénients. Ici, il y en a quelques-uns. Alors, le premier que je vois, c'est que c'est quand même un matériau assez fragile. Je vous donne un exemple ici, peut-être que vous le verrez. Mais vous voyez, aux angles, là, ici, aux arêtes, ben, j'ai cette dalle-là qui a été abîmée au niveau de son arête, ici. Hein. Donc, c'est un matériau qui est quand même assez fragile, qui peut être cassant. Donc, c'est assez fin. Une fois que c'est posé dans la colle et ancré dans la colle, pas de problème. C'est super dur et ça, vous n'allez pas avoir de problème. Vous allez pouvoir marcher dessus. Mais tant que ce n'est pas dans la colle, vous voyez, c'est un peu de la dentelle. Donc, il faut faire attention quand on le manipule. Il faut faire attention aussi à la réception du transport. Donc, moi, j'ai eu quelques déconvenues parce que quand j'avais reçu ma livraison, bon, ben, il y avait pas mal de coins qui s'étaient cassés, hein, comme ici, hein, dans l'angle, à cause du transport, à cause des vibrations. Mais pour le coup, le marchand avait été très, très, très commercial. Il m'avait remplacé toutes les dalles sans poser de questions. Donc voilà, prenez soin de bien vérifier à réception l'état de vos dalles. Un autre inconvénient qui n'est pas forcément un gros désavantage, c'est que pour la découpe, vous n'allez pas pouvoir utiliser les carrelettes, hein, donc qui vous permettent, vous voyez, les petits instruments qui permettent de découper le carrelage comme ça facilement. Toutes les découpes vont être faites à la meuleuse. Ça prend un peu plus de temps, mais ça en vaut la peine selon moi. Un dernier petit inconvénient, c'est que c'est un matériau naturel qui est poreux naturellement. Donc, il va falloir traiter, si vous voulez, qu'il ne se tache pas. Donc, généralement, après la pose du joint, bah, il faut prévoir un petit traitement hydrofuge-oléofuge. Bon, ça se fait très rapidement et très simplement, juste après la pose du joint. Un petit coup de rouleau et c'est terminé. Ce qui est de la pose, ben, il n'y a rien de particulier par rapport à un carrelage standard, un normal. Hein, vous allez utiliser les mêmes procédés. Il faut généralement utiliser de la colle blanche. Hein, ne pas mettre de la colle grise parce qu'il peut y avoir des remontées de laitance par porosité. Donc du coup, on privilégie la colle blanche qui va faire moins marquer. Mais à part ça, ben, voilà, ça va se poser comme n'importe quel matériau standard. Il faut faire un petit peu attention parce que c'est un peu plus fragile à manipuler. Il y a des schémas de pose, des calepinages qui vont être un peu différents. Bah, si vous faites de l'opus, hein, ça va être fatalement plus long à poser que des calepinages standards. Ça en vaut vraiment la chandelle. Bah, c'est vraiment le calepinage que je recommande pour tous vos dallages. Pour les découpes, moi j'utilise la meuleuse, hein, une main d'angle. Donc je recommande d'avoir une meuleuse quand même de qualité, hein, qui va vous permettre de faire des découpes très précises. Et après, vous avez ce genre de disques, hein, qui sont prévus pour le carrelage. Moi j'ai beaucoup utilisé celui-là qui n'est pas crénelé, hein, qui permet d'être très précis dans les découpes. Donc vous allez voir, différentes qualités, hein, de découpe. Donc je crois que celui-là c'est un Bosch, hein, voilà, spécialement prévu pour la céramique et le carrelage. Vous allez faire avec ça des découpes extrêmement précises, hein, et ça se fait très très bien. Après, l'inconvénient c'est que ça va faire beaucoup de poussière. Donc faites ça en extérieur, fatalement, faites ça aussi avec un masque, hein, malheureusement, pour vous protéger. Une fois que vous avez pris le pli, vous allez faire des découpes très très précises avec ça et il n'y a vraiment aucun souci, mais à condition d'avoir une meuleuse quand même assez qualitative. Pour ce qui est des joints, bah, pas de difficulté particulière non plus, hein, c'est assez standard. La seule difficulté, c'est le choix de la couleur, hein, qui doit bien s'harmoniser bien sûr avec le matériau. Généralement, les marchands fournissent les joints qui sont assortis normalement aux différentes teintes des matériaux. Moi, j'ai fait le choix d'en acheter un séparément. Bon, il vaut mieux éviter le gris, hein, il vaut mieux plutôt privilégier des couleurs un petit peu, je dirais, chaudes, hein, pour aller bien avec qui se rapproche de la colorie du travertin. Sinon, si vous avez choisi une finition bah, comme ça, rustique, vous allez avec le joint remplir également les cavités, hein, donc pour avoir un rendu lisse. Alors après, vous pouvez aussi choisir de le laisser un peu comme ça, rugueux. Hein. Peut-être pas en extérieur, parce que je pense qu'il y a des risques après que ça s'abîme avec le temps. Mais voilà, vous pouvez choisir aussi de ne pas les remplir, hein, ce sera votre choix. Alors le travertin, où est-ce qu'on se le procure? Moi, je me suis procuré tout simplement sur Internet, hein, sur un site. Vous allez voir, tapez travertin sur Internet, vous allez voir deux grands marchands sur Internet. Vous pouvez leur faire confiance, franchement. Moi, j'étais quand même agréablement surpris. Déjà, vous pouvez commander des échantillons.
Et puis surtout, ben voilà, s'il y a des problèmes de transport, ils vous remplacent immédiatement. Moi, j'ai très bon avis sur ces vendeurs sur Internet. Après, maintenant, dans les grandes surfaces de bricolage, vous allez pouvoir vous en trouver également. Et allez, à titre gratuit, je vous donne un dernier petit conseil. Donc voilà, ce que je vous ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est surtout n'achetez pas de plinthes en plus, parce que les plinthes, vous allez pouvoir les découper dans les chutes. Hein. Donc justement, typiquement, les carreaux cassés que vous allez recevoir, vous allez les réutiliser hein, pour faire des découpes et pour faire vos plinthes, par exemple. Il n'y a rien qui vous interdit bah, après d'utiliser ce matériau pour faire autre chose. Hein. Je sais pas, ça peut être des porte-savons. Moi, j'ai fait des porte-savons. Vous pouvez faire même des sous-bocs, des objets décoratifs. Donc, c'est vraiment un matériau que j'affectionne particulièrement. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout qu'elle était suffisamment claire et précise et complète, surtout. J'ai pas trop survendu la vidéo en introduction. En tout cas, comme vous l'aurez compris, c'est un matériau que j'adore. Vous allez vraiment avoir du plaisir à manipuler ce matériau, à le poser. Et vous verrez, ça donne vraiment un cachet intemporel à votre rénovation. J'espère que vos commentaires seront nombreux. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des doutes, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne rénovation et je vous dis ciao ciao et à bientôt au Ménil. Allez, bye!